Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais vous dire ma fierté d'être ici devant vous pour parler de la Corse. Cette Corse que nous aimons, que certains d'entre vous certainement connaissent, cette Corse que nous voulons défendre au-delà de tous les clichés. Au stade où nous en sommes de cette cérémonie, me vient une réflexion que vous avez peut-être dû vous faire également. Et j'ai pensé à une chanson que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, évidemment. Cette chanson, c'est une chanson de Jean Ferrat qui disait « La femme est l'avenir de l'homme ». Et à ce stade de la cérémonie, je me pose la question si la femme n'est pas l'avenir de l'anticorruption, vu le nombre de femmes qui ont été ce soir honorées. Donc, vous parlez de la Corse et vous parlez de gens qui se battent. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Et si vous permettez, je voudrais associer à cette cérémonie un ami qui m'est très cher, qui s'appelle Vincent Carlotte, qui est absent ce soir. Mais c'est quelqu'un avec qui nous avons fait un long chemin, puisque ça fait 42 ans que nous cheminons ensemble. Donc vous voyez, ce n'est pas d'hier. Et je voudrais également associer une personne que vous ne connaissez certainement pas, qui s'appelle monsieur Giuseppe Antoci. Qui est ce monsieur Giuseppe Antoci ? C'est un personnage, c'est vraiment un personnage que j'ai eu l'occasion de côtoyer au mois de juin dernier en allant en Sicile pour faire un documentaire, documentaire que vous verrez la première semaine du mois de février. C'est un documentaire qui porte sur une corruption massive au niveau des financements de la PAC et des financements européens. Et vous allez vous rendre compte que là aussi, il y a des niches qui sont des niches absolument terribles et où les gens viennent se servir absolument sans vergogne, aidés par, évidemment, par tout le système. En parlant de cette corruption, de cette forme de corruption, je voudrais aussi vous rappeler qu'en 2018, il y a 7 journalistes en Europe qui ont été assassinés. Ces 7 journalistes enquêtaient justement sur les financements de l'Europe. Ça vous dit quand même un peu le degré où nous en sommes arrivés. Ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même avoir à l'esprit. Il ne faut pas, quand même pas rester absolument pessimiste, puisque nous sommes là ce soir très nombreux, et je suis très fier, encore une fois, d'être devant vous. Et pour vous dire juste quelques mots sur le rôle d'Anticor vis-à-vis de la Corse et le rôle qu'Anticor a joué ces dernières années, ces 2 dernières années, vous allez comprendre que c'est un rôle qui est vraiment important, je dirais même très important. Et je veux saluer, si vous permettez, mon ami Jérôme Carcenti, qui a été l'avocat qui a défendu des procès au niveau des tribunaux, particulièrement abbatiaux, dans un procès qui, pour vous, n'était pas un procès important, mais au niveau de la Corse, c'était un procès très important, c'était le procès des Gitruraux, parce que ce procès s'est attaqué à l'homme fort, à l'homme fort, à l'homme politique très fort du moment. Et je peux vous dire que Jérôme Carcenti s'est retrouvé le premier jour face à 23 de ses confrères qui étaient dans un camp et lui, il était seul en face. Et je veux dire que ce n'était pas quelque chose de simple. Mais ce qui était le plus important dans ce procès, ce n'était pas tant le résultat, à savoir la condamnation de l'homme politique et d'autres. Ce qui était le plus important dans ce procès, je tiens à le dire, c'est que les citoyens se sont invités dans le prétoire à travers l'association Anticor. Et pour moi, c'était la chose la plus importante et je tenais à vous en faire part. Aujourd'hui, l'actualité au niveau éditorial, un livre qui est sorti hier, vous dit tout le système que nous connaissons et la façon dont les choses se passent en Corse. Mais ce n'est pas, je dirais, je ne veux pas excuser les Corses. Nous avons notre part de responsabilité. On est toujours responsable de quelque chose. La vie est choix, à tout moment. Mais je veux dire aussi qu'il y a d'autres responsabilités à d'autres niveaux qui ont favorisé le système qui s'est développé.
Et par rapport à ce système, il y a des hommes qui ont le courage de s'y opposer, qui ont le courage de prendre des décisions. Et je peux vous dire que ces décisions ne sont pas toujours faciles parce qu'ils sont sous la pression permanente. Et quand je dis qu'ils sont sous la pression permanente, non seulement eux, mais tout leur entourage et toute leur famille. Et à cela, je voudrais leur rendre vraiment hommage d'être présents là ce soir pour recevoir le prix éthique, à savoir David Brouglioni, maire de Tchatour, et Séverin Médor, maire de Limousin. Alors tout d'abord, mes remerciements auprès d'Anticorps pour ce prix. Un peu une reconnaissance du travail qui a été fait depuis 5 ans, mais qui n'a pas toujours payé, puisqu'aujourd'hui la justice est toujours en stand-by, on va dire. Qu'est-ce que je vais dire ? Je ne vais pas être trop long, parce que j'ai beaucoup d'émotions d'être ici, d'être avec mon épouse, avec qui on a subi énormément de pression. Et qu'est-ce qu'on a fait sur Tchatour ? Eh bien, le maire de Tchatour, il a dénoncé, comme on vous l'a présenté avec une caricature tout à l'heure, très justement, on se partage des terrains, on s'échange des terrains, on se vend des places de domaine public, on se vend des places de bateaux dans les ports. Et quand vous êtes aux responsabilités, quand vous êtes un élu, vous dénoncez. Donc on a dénoncé par un article 40 un certain nombre d'infractions. Ce qu'on a découvert, le plus important, c'était dans la mairie, on n'a trouvé aucun document, aucune délibération. Tout était transparent, comme on dit. Puisqu'il y avait... Voilà. Et donc, ça a été un tort, puisqu'aujourd'hui, on a subi énormément de pression, comme on vous l'a dit. On a tiré sur la maison familiale. On a manqué de peu d'attraper à moins de 50 cm avec des chevrotines. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent la chambre de mes enfants. En pleine nuit, cagoulé, masqué, et toujours pas d'action de la justice. On est toujours en train d'attendre. Donc ça, c'est les pressions, c'est le quotidien. Qu'est-ce que je voulais dire de plus, sans être trop long, pour le ressenti qu'on a, c'est quand vous discutez avec les autorités, donc avec l'État, le représentant de l'État, quand vous rencontrez les préfets, parce que je suis élu depuis 2014, c'est 3 préfets que j'ai rencontrés. On vous tape sur les épaules amicalement et on vous dit on vous comprend et on vous soutient et continuez dans cette démarche. Nous, on veut bien continuer dans cette démarche. Mais à un moment donné, je veux dire, il faudrait qu'il y ait un peu de résultats sur le terrain judiciaire. Donc, je vais laisser la parole à mon ami et collègue Séverin Médor, le maire de Limousin, qui lui aussi a subi des pressions. Et de toute façon, on est dans le même combat, on est dans le même bateau. Quand on s'est retrouvé avec David il y a 2 heures dans un bar pas loin, on avait la même sensation, à savoir qu'on était ravis de recevoir ce prix glorieux, mais en même temps, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'on a fait la seule chose que nous pouvions faire. On n'avait pas d'autre choix que de résister, de lever la tête. On n'avait pas d'autre. On connaît la Corse, on en est imprégné, on en est immergé, on connaît sa violence, sa violence, ses pratiques, ses actes, on connaît aussi ses richesses, sa solidarité. On n'avait pas d'autre choix que de porter plainte, de résister, de faire front. Lorsque, comme nous, on a la prétention de vouloir représenter le peuple le représente dignement, en levant la tête, en affrontant la mitraille. On a, je pense, David et moi, aussi par calcul, fait ce choix de résister. Et nos vies auraient été bien plus difficiles si nous n'avions pas fait ce que nous avons fait. Bien plus difficiles. Il y a 4 ans, j'ai fait une interview avec M. Folleroux dans Le Monde, où j'avais dit que la Corse était une société déliquescente en dérive fascisante. J'ai
Ça a été très compliqué. Mais je crois que je me suis trompé. J'aurais dû dire la Corse comme la France est une société déliquescente. En dérive fascisante. Quand on voit le délitement actuel, et une France transpercée par une centaine ou 80 ou 100 élus menacés de la République, par des journalistes menacés, je pense que on doit les aider. Je pense que la démocratie est le seul bien commun aux gens, de ceux qui n'ont rien. David et moi, nous nous battons pour ça. Je pense que tout le monde en France, enfin beaucoup de monde en France, devrait faire attention et se battre pour ça. Je vais terminer. On va faire court. Hein. On n'a pas l'habitude des médias, on n'a pas l'habitude du monde, on a l'habitude de notre petite Corse rurale. Avec quelques gens en face, c'est vrai. Et pas autant qu'ici, quand même. Et depuis quelques années, une dizaine d'années, une quinzaine d'années, on entend beaucoup un discours, il y a trop d'élus de proximité, il y a trop de mairies, il y a trop de ci, il y a trop de ça, ça coûte trop cher. On pense, nous, petits maires du rural, que les maires de proximité, les associations, c'est le lien charnel de la France avec sa démocratie. C'est le terreau et le ciment à la fois. Nous pensons que des lois comme les lois nôtres sont des lois qui fragilisent et déstabilisent le pacte républicain. Nous pensons, au-delà du débat des Gilets jaunes, que la suppression de l'ISF qui a tari les sources des associations est un danger fondamental pour le lien social dans des petites communes. Et ce lien met en péril tout notre pacte républicain. Alors, j'ai entendu une dame très brillante parler de démocratie égalitaire, je crois. Une démocratie égalitaire aussi territoriale. On en a besoin. Et il faut que s'arrête ce discours d'abandonner le lien de l'élu, de l'association avec le territoire déserté, et par les gens, et par l'argent. Voilà, je vous remercie.